qui me frappe, c'est quand on parle de moi comme non-zen, on s'attend à quelqu'un avec des vêtements particuliers qui vit dans un monastère, qui suit des règles comme ci, comme ça. Et Kodo Sawaki, c'était le moine sans demeure. Et le maître que je suis actuellement dirige une sangha qui s'appelle la sangha sans demeure. Et moi, je suis, par rapport à l'enseignement, sans demeure. C'est-à-dire, je vais là où on me demande de venir. Et dans toute ma vie, familiale ou professionnelle, j'ai évité l'étiquette de la nonne, de façon que les gens ne me rangent pas dans un petit tiroir en disant « on va attendre ça de cette personne ». Donc, ce qui est mon vêtement de nonne de voyage, que je porte aujourd'hui, c'est ce grand vêtement dont s'enroulent tous les moines et nonnes zen. Il y a la version voyage, qui est toujours dans mon sac à main depuis plus de 40 ans. Et c'est ma façon d'être nonne, présente à moi-même, dans ce que je suis, sans imposer aux gens une représentation qui serait obligatoirement limitée de ce que c'est qu'une nonne zen dans le monde contemporain. On a présenté cette réunion comme une réunion d'enseignement. Alors, si on pense que l'enseignement, c'est pour la personne qui a la place d'enseignant, c'est d'avoir un savoir qu'elle va vous transmettre, avec moi, vous avez tout faux. Je n'ai qu'un questionnement personnel par rapport à ma place dans le monde et je n'ai pas de réponse. Parce qu'en fait, une réponse, ça termine. La vie, elle est sans arrêt inattendue, elle est sans arrêt questionnement et elle doit toujours nous questionner dans notre présence, dans l'instant. Donc voilà, ça va être ça. Je vais partager avec vous ce questionnement. Peut-être que vous y reconnaîtrez des formes du vôtre et puis que ça vous fera avancer dans votre vie. Pas dans ce que j'ai à dire. Donc, ça va être un témoignage plus qu'autre chose. Et à propos du titre, le silence et la paix de cette réunion, le silence et la paix intérieure, ça veut dire on part d'où ? S'il y a un intérieur, c'est qu'on est dehors. Alors déjà, moi, j'avais juste retenu silence et paix. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert ce mot sur lequel j'avais fait une impasse intérieure. Donc, on y viendra, tout doucement. Mais je me suis posé très directement la question silence et paix. Et quand ces deux mots me sont arrivés, j'ai pensé les antagonistes, bruit et guerre. Tout de suite, ça a résonné comme ça. Et le silence est-il l'absence de bruit ? Et la paix est-elle l'absence de conflit ? Et à ce moment-là, on passe ailleurs. On a envie de dire oui au premier degré, mais on sent bien que c'est limité, qu'il y a d'autres dimensions à cette mise en mots. Et quand je dis le silence est-il absence de bruit, est-ce que le bruit est absence de silence? Est-ce que la guerre est absence de paix? On dit bien que le bruit brise le silence, que l'état de guerre met fin à la paix. Et alors je me suis dit, le bruit, la guerre, ce sont des événements, ce sont des faits. Et le silence et la paix, ce sont des états. D'où la référence justifiée à l'intériorité. Parce qu'un état, il nous prend dans toutes nos dimensions, intérieures et extérieures. Donc silence et paix ne peuvent se définir par une absence, mais par un plein, une plénitude de soi. Et dans un plein, est-ce qu'il y a place à la dualité ?
Et du coup, j'en suis encore arrivée un peu plus loin. Est-ce qu'on peut séparer silence et paix? Est-ce que l'un nourrit l'autre? De quel silence naît la paix et de quelle paix naît le silence? Déjà, voilà où m'a mené ce titre. Alors, je vais revenir à notre silence tout à fait très ordinaire. En fait, matériellement, concrètement, le silence n'existe pas. Il y a toujours un bruit de fond, il y a toujours un son, soit un son qui est fabriqué par l'activité de l'humain et qui parfois nous agresse. Parce que même quand on est dans des expériences où on a mis des individus dans un caisson insonorisé, il n'y a pas de bruit extérieur, tout d'un coup la personne est agressée par le bruit de ses gargouillis, le bruit de sa circulation sanguine qui s'amplifie, le bruit des battements de son cœur. Donc en fait, le silence n'existe pas en tant qu'absence de son. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler le silence? Ça serait un son qui nous paraîtrait naturel. Un son qu'on ne perçoit que si on se met à l'écoute. Sans attente, on se met à l'écoute. Et là, on perçoit la pluie, le vent, les oiseaux. Et puis, l'être humain, percevant ça, s'est mis à construire des sons qui imitaient. Ces sons dans lesquels il a essayé de reproduire l'harmonie de ce qu'il écoutait là. Et entre les sons, il y a des silences. Et ce mouvement son-silence produit un rythme. Et ce rythme-là, ce rythme primordial que chacun vit à sa façon, c'est celui de la vie en nous. Alors, une autre question, c'était ce qu'on appelle silence dans notre quotidien. Est-ce que c'est une absence de bruit? Est-ce que c'est une absence de mots, ce que l'on va taire pour telle ou telle raison? Je pense à des malades à qui on ne va pas oser dire quelle est la nature de leur maladie. Je pense à des souffrances personnelles sur lesquelles on ne pose pas de nom. Je pense aussi au silence qui est une absence de parole parce qu'on est dans une certaine sidération. Je pense aussi au silence au silence qu'on fuit parce qu'il peut nous faire peur. Il nous fait peur parce qu'on n'y retrouve pas notre vie agitée. Tout d'un coup, on est perdu. Ce silence qui nous évoque finalement profondément la peur de la mort, qu'on imagine comme une inertie définitive, une absence de vie. Et on voit que par le biais du silence, on se pose la question de la vie et de la mort. Est-ce qu'elles s'opposent ou est-ce qu'elles sont des formes différentes ? Ce silence qui nous effraie, est-ce à cause de ce qu'il cache? Est-ce à cause de ce qu'il révèle? Est-ce qu'il est une protection face à soi-même, ne pas oser se dire, se révéler certaines choses, laisser apparaître, une protection face à l'autre? On voit que parfois, dans des discussions un peu animées, on demande le silence. Mais taisez-vous, c'est moi qui parle. Et dans ce cas-là, ce silence, il est refus d'entendre qu'en face,
Il y a quelque chose d'autre qui veut se manifester. C'est un refus d'entendre ce qui est dit, même en dehors des mots. Et puis, il y a encore un autre silence, celui qu'on voudrait intérioriser et qu'on appelle de tous nos voeux, le silence de ce discours intérieur de notre mental qui nous ramène sans arrêt à des jugements personnels dans l'instant. Mais on sait bien que ces jugements-là, ils sont cousus main bien finement sur ce qui s'est passé dans notre enfance, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a intériorisé. Pas que nos parents ou nos enseignants ont eu faux, mais comment nous, on a vécu ces moments-là. Et là, quand on se retrouve dans notre silence intérieur, on doit y refaire face. Et ça fait peur. On n'a pas envie. Alors, ce silence de notre mental m'a fait penser que dans la tradition du bouddhisme, on n'a pas seulement 5 sens. La vue, l'odorat, etc. Le mental est un 6e sens. Il n'est pas au-dessus des autres. Le mental est un outil pour prendre connaissance du monde, avec le cerveau, la fabrication des idées, pour mettre des mots sur des sensations qui deviennent des perceptions. Et ça les lie à nos savoirs et à nos émotions. Ce n'est pas quelque chose qui chapeaute le tout. Et cette classification du mental comme un 6e sens, on le retrouve dans le texte qui est vraiment commun à tous les bouddhismes, qui est le Sutra de la Grande Sagesse, Anya Aramita Shinyo. C'est le Sutra de la conscience qui va au-delà de tous ses sens, qui va, on le dit, au-delà du par-delà. Là où, dans la tranquillité de l'être, dans le silence et la paix, on se pose. On se pose dans l'instant. À ce moment-là, le silence, même s'il est sonore, ne dérange pas. À partir du moment où il n'est pas interprété par le mental, qu'on est juste dedans, tranquille, on est vivant, pleinement vivant. Et ce qu'on recherche, c'est bien ce silence du mental comme un gardien de la paix, de notre paix. Ce silence des antagonismes, c'est-à-dire ce silence du mental, ce n'est pas nier les conflits, les oppositions. C'est les intégrer dans un tout qui englobe toutes les positions. C'est sortir de l'événementiel, c'est accepter la mouvance des faits, des idées, des sentiments, que tout change à chaque instant. C'est se laisser traverser par les contradictions apparentes, c'est trouver le point d'équilibre. Et ce n'est ni tiède, ni mièvre. C'est cesser de vouloir lutter, supprimer ce qui gêne parce que différent, mais c'est aller à la source même de la gêne, en nous et pas à l'extérieur. Et cela demande des efforts sur nos habitudes superficielles. Cela demande beaucoup d'énergie à maintenir cette conscience de l'unité. Pour trouver, au-delà de tout ce qui bouge autour de nous, le monde extérieur, mais notre monde intérieur, nos émotions, nos sentiments, nos désirs, nos illusions, nos peurs, tout ça bouge, rien n'est figé pour toujours. Alors la paix, c'est pouvoir faire face à ça. Et vous verrez que Kodo Sawaki, on en reparlera tout à l'heure, Kodo Sawaki dit « La paix, c'est pouvoir vivre avec nos conflits. Ce n'est pas les effacer, les cacher sous le tapis. La paix ne se crée pas. La paix, c'est un état en soi. C'est. Point. »
pas de qualificatif. Et l'expression de cet état de paix, c'est l'amour. Mais comprenons-nous bien, c'est un amour universel que dans le bouddhisme on appelle la compassion, que dans d'autres religions on trouve d'autres expressions. C'est l'accueil de ce qui est, cet amour. C'est l'accueil de l'autre tel qu'il est, dans le silence de soi-même devant l'autre. Alors comment, alors que je dis qu'il n'y a pas de mots, comment on peut appréhender, rencontrer cet état de paix? Il y a des moments où ça se fait naturellement, devant un paysage sublime, devant une musique, une odeur parfois, un goût, quelque chose là, dans la bouche, qui nous fait sentir qu'il se passe autre chose. Et là, le mental se tait parce qu'on est... Il n'a pas de mots appropriés pour dire ce qui est vécu dans l'instant. Parce que l'instant, il est au-delà des perceptions spatiales et temporelles. Le corps vit directement. Et sans l'intervention du mental, les perceptions sont démultipliées. Dans cette contemplation, immersion, il n'y a plus ni sujet, ni objet. C'est une immersion dans un tout dont on fait partie. On est à la fois sujet et objet. Et du coup, on oublie. On oublie la position qu'on a. On est simplement. Cette recherche-là, moi, la réponse que j'ai trouvée, elle est dans la méditation du zazen. Dans la méditation du zen. Parmi vous, d'autres l'ont trouvée ailleurs. Mais voilà, moi, c'est ma réponse.